Très heureux de vous savoir au rendez-vous à l'heure des informations sur la Centrale Togo Télévision, la torche des générations. Voici pour vous le Satur, le Togo, premier pays et référence mondiale en matière de la protection de la gente féminine. À l'étranger, nous irons au Burkina Faso où en 3 mois, près de 400 enfants burkinabés ont été donc sauvés alors qu'ils étaient en route vers les pays voisins pour se faire exploiter. C'est tout pour l'ossature. Le développement, c'est tout de suite. Je le disais tout de suite, le Togo, premier pays de référence mondiale en matière de promotion de la gente féminine. Selon les données de l'Organisation internationale du travail, OIT, le Togo est le premier pays au monde où les femmes occupent une part importante dans les fonctions dirigeantes dans une sélection de pays. Ramia Tchagbele. Le pays se démarque du continent. Les pays asiatiques et africains sont moins bien classés, à quelques exceptions près, comme le Togo, par exemple. Au Togo, beaucoup d'offres sont faites pour promouvoir les femmes. Le pays est le rare au monde à avoir actuellement des femmes comme premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou ministre des armées. Au lendemain de cette annonce par l'OIT, plusieurs voix se sont fait entendre à propos de ce classement. Elles affichent leur analyse à ce sujet. De la promotion de la femme au Togo, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Le gouvernement togolais a fait vraiment de grands efforts dans le domaine et c'est ça qui a valu ce classement-là devant la France, devant la Suède. Je crois que c'est quand même une grande victoire pour le Togo. C'est vraiment à encourager que les femmes occupent encore plus de postes de responsabilité que ça. Le fait de nommer des femmes au poste de responsabilité a un grand impact sur la vie des femmes et des jeunes filles qui ont des modèles, qui voient que la femme peut jouer sur le plan politique, sur le plan administratif, sur tous les plans, le même rôle que l'homme. Et le fait qu'une jeune fille voit par exemple qu'une femme est premier ministre, une femme est présidente de l'Assemblée nationale, une femme est ministre de l'armée, peut pousser à vouloir faire mieux, à réussir ses études pour devenir elle aussi à son tour un jour premier ministre du Togo, pourquoi pas. Je dis souvent en riant qu'on ne veut pas que ça, on veut même l'économie. Qu'une femme soit ministre de l'économie du Togo, ça aussi on attend. Alors, merci beaucoup, bravo aux femmes, bravo à notre chef de l'État qui a pensé que faire confiance à des femmes est une bonne chose. Je l'encourage à faire encore plus. J'encourage les femmes à se battre pour mériter les postes où elles sont nommées. Vous pouvez voir des changements dans gouverner autrement. Il y a eu beaucoup de premiers ministres au Togo, mais c'est aujourd'hui qu'on nous parle d'eux. À ce propos, c'est que les gens se trompent en disant cela. Car de nos jours, sans l'école, tu n'auras rien dans la vie. Il faut chercher à aller à l'école, poursuivre tes études avant de pouvoir gagner. Dans le cas contraire, tu resteras toujours sous la domination d'une autre personne. Les postes qu'occupent nos mamans ou bien nos sœurs actuelles, c'est grâce à l'effort de leurs études qu'ils ont fait dans le temps. Si cela n'avait pas été, je ne pense pas qu'ils vont occuper ces places qu'ils occupent aujourd'hui. Donc, j'invite mes sœurs à imiter les pas de nos ministres et nos premiers ministres d'actuel. Je tiens à remercier sincèrement l'État pour ses efforts, parce que cela permet à nous, les femmes, surtout à nos enfants, aux enfants qui sont derrière nous, d'imiter les pas de ces ministres. Car sans cela, je ne pense pas que les enfants auront un bon exemple pour aller de l'avant. Leur
présence donne un bon exemple au pays, surtout à nos jeunes filles. Parce que tout le monde veut être à leur niveau pour diriger aussi le pays. Pour parler de l'importance de la gente féminine sur le l'échiquier mondial et précisément au Togo. Et votre question a trait aux efforts inlassables des gouvernements du Togo qui n'ont ménagé aucun effort pour que la femme évolue, s'épanouit à travers son éducation, à travers ses performances, puisqu'on nous dit dans la tradition que la femme est le pilier de l'économie au niveau familial, au niveau communautaire et un peu partout, plus précisément, et dans l'ensemble, sur le plan national. Si aujourd'hui, le Togo est classé premier pays où les femmes occupent les rangs de décision, c'est grâce à leur effort en allant à l'école beaucoup, parce que nos gouvernements ont, des années en année, promu l'éducation de la femme à travers plusieurs projets, dont l'éducation de la femme qui est un pilier, qui est un aspect très important dans le développement. La place qu'occupe la femme au Togo, et plus précisément sur le plan national, et un peu partout, un peu sur le plan international, c'est grâce à cet effort d'éducation que le gouvernement togolais a mis en place pour que la femme aille de l'avant. C'est dans ce sens que le gouvernement togolais avait décrété l'éducation de la femme qui ne paie plus les collages. Ça veut dire que l'éducation de la femme est gratuite. Grâce à cet effort-là, les femmes ont été inscrites massivement, elles ont suivi les cours et au finish, elles occupent les premières places sur le plan national et occupent les postes de décision. Notamment, notre gouvernement est dirigé par une femme. Sur les rangs des ministres, nous avons plusieurs femmes qui occupent les postes ministériels, non moins les plus importants. C'est la femme qui est le pilier de l'économie, en passant par la famille, ensuite sur le plan communautaire et sur le plan national. Ceci, on dit que c'est la femme qui est la première personne qui éduque les enfants. Grâce à cet effort-là, cela peut amener notre pays très loin et ça peut susciter de ce qu'on appelle l'émulation, l'émulation, pour que les autres femmes ou les jeunes filles puissent copier les femmes qui ont déjà des postes de décision. Et cela aussi va drainer une foule de femmes qui vont s'émanciper, qui vont aller plus massivement à l'école et un jour devenir, pourquoi pas ministre, pourquoi pas chef d'État sur le plan togolais. Ce fut l'occasion pour les aînés de Tchaoudjo d'en faire appel à la conscience des filles de la localité afin qu'elles s'adonnent aux études et ainsi pouvoir faire partie des futurs dirigeants de ce pays. Bien que le Togo occupe ce rang de première nation en matière de promotion de la gente féminine, beaucoup d'efforts restent encore à faire pour une autonomisation économique et financière de la femme togolaise. Hors de nos frontières au Burkina, en 3 mois, près de 400 enfants burkinabés ont été sauvés alors qu'ils étaient en route pour les pays voisins pour se faire exploiter. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Action étrangère. Ces enfants âgés de moins de 16 ans, pour la grande majorité, étaient destinés à travailler dans des mines artisanales pour des travaux domestiques dans les pays voisins ou dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, importante destination du trafic des enfants.
Depuis un certain temps, le phénomène qui affecte les enfants prennent une proportion inquiétante dans notre pays. Au premier trimestre de l'année 2021, ce sont 374 enfants qui ont déjà été interceptés selon les données collectées par la Direction générale de la famille et de l'enfance. En ce qui concerne les enfants rencontrés lors des opérations de sécurisation du territoire par les forces de défense et de sécurité, depuis le début de la crise sécuritaire, c'est au total 58 enfants qui ont été remis aux forces par les forces de l'ordre aux services sociaux. Ils ont été interceptés lors de contrôles de bus ou sur dénonciation. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Thank you.